Alors, nous nous retrouvons pour la lecture d'une de la fiche du cahier vert. Donc, je vais vous laisser lire ces deux premières lignes tout seul. Allez-y. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit piège dans cette fiche, parce que, en fait, tout simplement, j'ai oublié une lettre. Donc, nous allons lire ensemble, et puis je corrigerai ensuite mon erreur. Alors, allons-y. Nya, nya, ni, nio, nio, nié, nié, nian, nion, gouin. Et oui, parce que tout simplement, j'ai oublié de mettre le N. Donc du coup, ça fait gouin et non nuin. Nian. Pardon, on continue. Nian. Nu. Nié. Nua. Nua. Alors, cette fois-ci, ça va être à vous de lire toutes ces syllabes. Allez-y. Allez, ensemble. Zu, fu, gris, vu, pas, beau, des, ri, le, non, je, vous, goût, temps, vent, pain, ça, bru, gno, clos, soi, j, chais, si, fin, saut, nœud, sept, moi, fi, ton, ce, qui, la, pelle, su, nu, ju, vu, ma, fu. Nous allons maintenant passer aux mots. Allez-y, lisez-moi cette première ligne. Ensemble. Un agneau. Aligné. Une araignée. La ligne suivante. Alors, il y a encore une petite erreur qu'il faudra que je corrige. La baignoire, un châtaigne, et oui, c'est une châtaigne, un cygne. Ligne suivante. La campagne, gagner des castagnettes. Alors j'oubliais cygne, ce n'est pas l'animal ici, c'est le signe que l'on fait. Ligne suivante. On y va. Une ligne, un beignet, un peigne. Ligne suivante. Ensemble. Un champignon. Une poignée. Un chignon. Dernière ligne. Ensemble. Une cigogne, magnifique, un charognard. Nous allons maintenant passer au texte.
Je vous laisse lire la première phrase, donc jusqu'au premier point. Allez-y. Ensemble. Pour les vacances, Agnès va aller à la campagne avec sa tante Rose. À vous, jusqu'au point. Ensemble, toutes les deux partiront avec la voiture de Rose. Jusqu'au troisième point. Allez-y. Ah, pardon. Jusqu'au troisième point qui est là. Allez-y. Ensemble. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Phrase suivante. Allez-y. Ensemble. Pour cette occasion, Agnès a demandé à sa maman de lui faire un chignon. Phrase suivante, allez-y. Ensemble. Avec ses parents, Agnès rejoint sa tante Rose chez elle. Phrase suivante, allez-y. Ensemble, Agnès fait un dernier signe à ses parents. Et maintenant, jusqu'à la fin. Allez-y. Ensemble. C'est parti. Agnès a hâte d'arriver pour aller se baigner dans le magnifique étang qui se trouve devant leur maison de campagne. Donc je vais vous relire ce texte une fois et ensuite ce sera à vous de le relire tout seul. Allons-y. Pour les vacances, Agnès va aller à la campagne avec sa tante Rose. Toutes les deux partiront avec la voiture de Rose. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Pour cette occasion, Agnès a demandé à sa maman de lui faire un chignon. Avec ses parents, Agnès rejoint sa tante Rose chez elle. Agnès fait un dernier signe à ses parents. C'est parti! Agnès a hâte d'arriver pour aller se baigner dans le magnifique étang qui se trouve devant leur maison de campagne. Alors, je vous souhaite de bien travailler pour ces 2 jours et je vous dis à bientôt!